Bonjour à tous, voici le bulletin vidéo de ce vendredi 16 mars en début de soirée. Après les journées ensoleillées et chaudes, les conditions météorologiques vont nettement se dégrader sur le pays avec des températures également plus fraîches. Pour cette nuit, une dégradation s'annonce donc depuis l'Atlantique et de petites pluies aborderont les côtes aquitaines et du Finistère. Pour demain matin, une onde océanique abordera la Bretagne, apportant des pluies localement soutenues. Elle s'étendra en cours de matinée au pays de la Loire et l'Auvergne. Pour ce qui est des températures, elles seront en baisse généralisée avec 3 à 8 degrés en général, davantage près des côtes. Pour demain après-midi, le front traversera le pays, apportant avec lui des pluies continues et plus soutenues, principalement en soirée et nuit de samedi à dimanche. À noter que les régions du sud-est devraient rester en marge de ce temps perturbé. Le vent s'orientera au sud-ouest pour souffler à 20 km/h en moyenne, avec des rafales à 40 km/h, voire localement plus sous les averses orageuses. Les températures sont en baisse, avec 7 à 12 degrés au nord et 8 à 15 degrés sur le sud et la Corse. Voici la tendance pour les prochains jours. Dimanche, les pluies se décalent vers l'est en cours de matinée. À l'arrière s'installera un temps de traîne faisant alterner des éclaircies et des passages nuageux porteurs d'averses, localement orageuses en Bretagne. Les températures seront en baisse, maximale de 9 à 12 degrés. Pour lundi, l'instabilité s'atténue, le ciel est variable avec des ondées le matin et des éclaircies plus larges l'après-midi. Il fera frais pour la saison avec des maximales proches de 9 à 12 degrés. Samedi, nous fêtons les Patricks. Le soleil se lèvera à 6h59 et se couchera à 19h. Si vous désirez plus de précisions sur votre commune, vous pouvez consulter notre site internet sur www.agathe-france.com ou appeler nos répondeurs au 0892 46 38 36. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook, Agathe-Adim. Passez une excellente fin de journée.